soir. J'étais en train de tester une des nouvelles épreuves du fort. Et faites-moi confiance, c'est pas gagné. Oui, en effet, nous, on est comme ça sur le fort. Chaque année, nouvelle saison, nouvelle épreuve, nouvelle difficulté. Ouais, je suis bien content de pas être candidat. Ça d'ailleurs, en parlant d'eux, voici l'équipe du jour. Elles sont cinq, elles sont artistes chanteuses, elles sont venues pour gagner, ce sont elles cinq. Avec Claire, Coralie, Lydie, Alexandra et Marjorie. Et pour les accompagner et compléter cette équipe de choc, nous avons Jean-Christophe Roland, ancien sportif de haut niveau, ingénieur et bénévole pour l'association Enfants de Cœur. Ensemble, ils vont tenter de remporter un maximum de boyards. Souhaitons-leur bonne chance. Et les voici. Tous, passe-partout, passe-temps, notre nouvelle équipe. Et bien sûr, Sarah. Voilà, tu sais que tu es mon soleil. Et si quand tu souris, bien je bronze. Je sais pas, moi j'adore cette émission, mais j'aime surtout la pertinence de tes compliments. Alors à chaque fois, je suis impatiente de savoir comment tu vas m'accueillir. Ouais, je sais bien. On a une équipe bien très sympa, mais on a surtout un homme comblé. Hein, ouais. Et pour cause, Jean-Christophe, entouré de cinq charmantes créatures. T'as plutôt bien soigné. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Par rapport à quoi? À plein de choses. On aura l'occasion de s'en rendre compte, je suppose. Vous êtes tous contents de faire le fort, évidemment. Mais surtout de défendre une association. Jean-Christophe, peut-être un mot, parce que vous êtes L'association Enfants de Cœur qui a pour objectif de créer, d'organiser et de promouvoir des événements pour recueillir des fonds pour justement des associations qui, elles, s'occupent de l'enfance. Donc on va essayer de rapporter de l'argent et d'aider toutes ces associations. Voilà, c'est une association au profit des autres associations. Exactement. Bien. Bon, écoutez, je ne vais pas vous dire que ça va être facile sur le fort, parce qu'ici, on a horreur de mentir. En revanche, si vous avez envie de nous faire une petite chanson, là, comme pour vous donner du courage, ça serait sympathique, non? On y va! On y va! On a papa! On a papa! On donne tout pour les enfants du cœur! Eh bien, toi, oui. Costaud! Costaud, en effet. Bien, je vous rappelle que vous avez 45 minutes pour récupérer les 7 clés qui vous permettront de déverrouiller la porte de la salle du trésor. Pas une minute de plus. Et cette... Bien sûr, j'ai pas le temps de vous expliquer davantage, mais on découvrira ça ensemble. Vous chantez? Eh bien maintenant, courez. Suivez passe-partout. Passe à la première épreuve. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. 7 clés sont nécessaires. Elles s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Attention, si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Bon alors, c'est toujours comme ça que ça se passe. D'abord, une petite promenade de santé, ça vous a fait du bien? Ouais. Parfait. Pour la première épreuve, je trouve jamais aucun candidat ou candidate qui veut y aller. Quelqu'un se propose? Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc on va arranger tout ça, en fait on va faire une épreuve collective. Ça vous arrange? Ouais. C'est Lydie qui va rentrer seule. Mais rassure-toi, les autres sont là aussi, tu verras. Je vais t'expliquer. Ouais. Présente-toi devant la porte. Allez, allez. Bonne chance à toi. Attention. Alors on va s'organiser, on va désigner à chaque fois. C'était clair. Ça y est, alors la clé vous avez désigné pour parler, c'est près de la porte. Tu vois la clé, Lydie? Oui, je la vois. Alors, pour libérer cette chaîne, il faut d'abord ouvrir une petite porte. Faut que tu ouvres une petite porte. Pour ouvrir cette petite porte, elle va devoir utiliser une roue qui se trouve au plafond. Est-ce qu'elle voit la roue? Est-ce qu'elle voit une roue au plafond? Ouais. Faut que tu l'utilises pour ouvrir la porte. Attends. C'est pour accéder à cette roue. Il faudrait qu'elle monte sur le pivot sur qui se trouve à terre. Monte sur le pivot, c'est comme un tronc. Voilà. Mais. Et je fais quoi? Quand Olivier. Tourne la roue. La roue, le volant. C'est comme un volant. Mais vous voyez qu'elle a des difficultés parce que quand Olivier vous parlait d'épreuve collective, c'est parce que vous voyez ce tronc-là. Il va falloir le manier, le stabiliser. C'est elle qui va. Alors, ce que je. Coralie, ce que je te propose, Mais il y a un truc qui ressemble à expliquer qu'elle positionne le pivot comme elle en a envie, c'est-à-dire bien en dessous de la roue qu'elle cherche à atteindre. C'est quoi la démo? Par les mains, tu le positionnes de façon à ce que tu sois stable pour monter dessus, et nous on va le tenir. Alors comme c'est la première cellule et qu'on se met en jambe et qu'on est bon, alors les filles, n'oubliez pas qu'il y a aussi là, c'est bon, respecter, il faut surveiller la cellule en permanence. Là je tiens debout. Et là vous la tenez bien, vous stabilisez bien le tronc.
Seconde, mais tant qu'il y a du bleu, il y a du temps, d'accord? Bon, c'est pas grave, on va pas s'arrêter là-dessus, hein, c'est pour se mettre en jambes. Ouais. On continue, passe partout, on te suit. Allez. Première cellule, c'est... Ah, c'est la chauffe, on va dire. Voilà, ouais, je vois bien le genre. Bon, nous allons donc essayer d'en récupérer une là. Je vous rappelle le principe, hein. Cette clé. Il faut les récupérer, pas les regarder. Ça, c'est au niveau du principe du jeu. Bon, Coralie, Marjorie, est-ce que vous aimez les baguettes, enfin, la bouffe chinoise, tous ces trucs-là, japonais? Il faut avoir un peu de dextérité, donc ça va être dur, mais bon... Vous manipulez bien, oui. On va essayer. Ça tombe bien, parce que derrière cette porte, il y en a. Et vous allez déguster, croyez-moi. Présentez-vous devant la porte. Okay. Attention. Prête. Elles n'ont pas l'air. Prête. Ah oh ouais, prête. Eh ben, allez, mon cochon. C'est parti. Allez, les filles. Allez. Alors cette fois, hein, on surveille la clé de titre. Jean-Christophe, tu leur parles? Ouais, alors. Dites-moi un peu. Est-ce qu'elles ont compris ce qu'il fallait faire et est-ce qu'elles ont repéré la clé? C'est la première question que tu peux leur poser. Est-ce que vous avez vu la clé, là? Alors, attends, il faut prendre les... Vous avez vu la clé? Ah, regarde, Marjo, ça. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez vu la clé? Oui, elle est en haut, on la voit. Elle est au plafond. Pour libérer la clé, il va falloir qu'elle prenne la boîte de conserve. Il faut prendre la boîte de conserve avec les deux baguettes, chacune une baguette, et vous la déplacez. De façon à aller chercher, les paniers qui se trouvent à l'autre côté de la pièce. Possible ce truc. Évidemment, il y a plein d'obstacles. Il faut vraiment qu'elle parle, qu'elle communique entre elles. Parlez bien entre vous. Il faut que vous apportiez la boîte jusqu'au panier. Ouais, attends, il y a des trucs. Mais c'est pas facile. On sait que c'est pas facile. Surveillez le temps. Parlez-vous pour. D'avancer les mains au maximum en avant de la baguette. Pour que ce soit moins difficile, avancez les mains au maximum de la baguette. Ce sera plus facile pour vous. Et parlez-vous pour équilibrer les pressions. J'ai pas bougé. Parlez-vous. Alors décharge les boîtes de conserve. Moitié du temps. Sont quand même un petit peu lourdes. Parlez-vous. Non, je suis pas. Vas-y, c'est bon. Allez, voilà, ça y est, maintenant elles l'ont en main, mais alors surtout... C'est pas grave. On recommence, vous avez commencé à comprendre le coup, là. Mais une fois qu'elles ont le coup, il faut qu'elles se dépêchent, hein, parce que là, ça coule. Attends. Vas-y, c'est bon. Ok, la prise est importante. Allez, ça a avancé. Prends-le là. Servez-vous du bas. Parce qu'elles en ont plusieurs, hein, des boîtes de conserve. Hein. Mais de l'autre côté, il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Surveillez le temps. Encore un peu. Allez, serrez là. Dis-moi où tu vas, Marjo. Sortez, les filles. Sortez. Allez. Vous êtes énervé. Très dur. Vous nous en voulez là tout d'un coup, on est méchant. On a été odieux, on vous a donné la cellule la plus difficile. Non, le plus dur c'est la prise, mais enfin non, c'est tout d'ailleurs, c'est très difficile. Le déplacement est délicat. Tu sens pas quand l'autre court. Ça t'a quand même. On va avoir la même pression, donc c'est. Bon, tout à l'heure on disait que c'était un tour de chauffe, là on va pas le dire à chaque fois. Non. C'est pas terrible. Quoi?
J'aurais cru. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui rêverait de rencontrer le père Foura? Sarah. Alors, je pense que... Oui, Olivier. Il n'y en a aucune qui a envie de venir voir le père Foura. C'est bien dommage parce que le père Foura s'impatiente énormément, surtout de voir Claire. Il est chaud bouillant, Claire. Alors ne tarde pas à venir. Il y a une petite énigme pour toi. Elle est Claire. Vous avez des problèmes gastriques? Ah non, mais c'est curieux, Olivier. Essayez, c'est étonnant. Je converse avec ma vieille copine, la mouette. Vous voyez, c'est un peu comme le goéland, sauf qu'il y a des verbes, il y a beaucoup moins de verbes irréguliers. C'est bien. Bon, vous m'enverrez votre bulletin de santé, père Foura. Le vieux, c'est... Voilà. Ça sent la prise de bec. Hein. Oui. Il est sympathique. Il est sympathique, Olivier, mais il est un petit peu naïf. Hein. Elles sont cinq. Elles sont jeunes, elles chantent. Bon, moi, je suis tout seul, mais je connais la musique. Ah, voici Claire, une des cinq, elle. Bon, comment vous sentez-vous? Tout va bien? Ça va. Oui, bon, vous avez l'habitude de chanter en groupe? Oui. Oui, bah alors, je vais commencer le premier couplet et vous enchaîner le refrain. N'est-ce pas? Vous allez essayer? Oh, elle est souriante, elle va partir peut-être déçue, non? C'est possible. Non. Allez, j'essaye un petit peu de vous déstabiliser. Attention, hein. Écoutez bien. Elle nous amène aux égouts et joue un rôle dans le goût. Si de fine on la qualifie, c'est un gourmet dont on parle ici. Qui est-elle? Je répète. Elle nous amène aux égouts et joue un rôle dans le goût. Si de fine on la qualifie, c'est un gourmet dont on parle ici. Allez, proposez encore, c'est bien. Oui. Allez, c'est un gourmet. Non. Allez, oh, vous allez regretter, Claire. Allez. Claire, la bouche des... Non, j'ai rien vu. Non. Bon, trop tard. Oh. Et quand je vais vous donner la bonne réponse, vous allez dire, mais bien sûr, c'était la bouche. Mais oui, la bouche est l'entrée des égouts, bien entendu. C'est par la bouche que l'on goûte les aliments. Et une fine bouche est un gourmet. Voyez, il l'aurait trouvé. Ben bon, allez, descendez. C'est beaucoup plus facile quand on est en train de regarder. Hein. Je sais, mon Dieu. Bon, allez. À bientôt. À bientôt. On commence à s'inquiéter. Ouais, tu peux là, hein. Parce que là, on n'a pas une seule clé. Moi, j'aimerais bien qu'on retrouve le moral et qu'on se prenne, que vous arriviez à choper une première clé. Parce que partout, on se suit. Et tu nous emmènes quelque part de bien et de facile. Je vois que vous êtes contente. Alors? Zéro clé, hein. Ah là, ça commence à devenir compliqué. C'est vrai. Bon. Mais nous vient la pression. Mais je pense surtout à l'association que vous défendez. Je pense au fait que le temps s'écoule, bien sûr, que les minutes commencent en effet à se perdre et que nous n'avons toujours donc aucune clé. Voilà, passe-temps. Qui malheureusement dans la première. Bon, écoute, tu sais, je sais que ces vieilles galages de père Foura n'est pas non plus l'homme le plus facile du monde. Hein. Donc on ne t'en veut pas. Maintenant, ce qui va se passer là est très simple. Je me suis renseigné sur vous tous et on m'a dit de toi, Jean-Christophe, que tu étais un type très généreux. C'est vrai ça? Ça dépend avec qui. Pareil. Ah. Écoute, tu vas nous montrer puisque tu vas laisser Alexandra en fait œuvrer. Alexandra, venez ici, mon petit. Je te présente devant la porte. C'est Passepartout qui va t'aider à t'équiper. Voilà, tu vas donc avoir la taille sanglée qui va t'aider pour une part, mais qui va te compliquer la tâche aussi, malheureusement. N'oublie pas que tu n'as que le temps de la clepsydre et pas davantage pour récupérer la clé et revenir saine et sauf jusqu'ici. Hein. Sinon, c'est la prison! Voilà. Sans problème, allez. C'est parti. Le voyage risque d'être long. Allez, Alex. Bonne chance à toi, c'est parti. Allez. Yes, ça. Bon. Je te désigne encore une fois, Jean-Christophe. Voilà, viens, Alex. C'est une épreuve qui est très... Elle est droite devant toi. Tout droit devant toi. Il faut qu'elle suive la corde. Il faut que tu suives la corde. Tu entends? Il faut que tu suives la corde. Également pour les tenons, ça. En fait, c'est une épreuve qu'on appelle le dauphin parce que c'est un petit peu les mouvements qu'elle va faire, les mouvements d'un dauphin. Parce qu'elle suis va la corde, continue à avancer, essaye de suivre la corde. Et de passer au-dessous. Il faut vraiment qu'elle se dépêche. Parce que allez, dépêche-toi. C'est une épreuve. Allez, n'importe comment, on va vas-y, suis ensemble. la corde. C'est ton fil. Mais le dauphin, entre les barreaux. Allez. Lance-toi, allez. Juste écoutez-moi.
moi une seconde. Non, faut que tu passes au-dessus, voilà. Elle passe au-dessus, elle passe en-dessous, elle passe au-dessus. Alors, il y a quand même des choses... C'est le parcours du combattant. Il y a quand même des choses à lui dire, parce que c'est une épreuve très physique, très dure. Et tout ce qu'elle va faire à l'aller, elle va devoir le faire au retour. Donc, le retour sera exactement comme l'aller. Donc, avance, continue à suivre le fil. Allez, avance, avance. Elle utilise la force de ses bras, évidemment, mais aussi la force de ses jambes. C'est très important si on a choisi à l'extérieur. Allez, vas-y, saute les obstacles. Elle est musclée, elle sait se courber dans tous les sens. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Allez, tente tes bras, étonne tes bras, étonne tes jambes. Passe au-dessus. Il faut qu'elle se dépêche. Dépêche-toi, de tes bras pour monter. Encore une fois. Allez, saute, essaye. Encore une fois. Voilà. Et toi, tes bras. Allez. Lydie l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une cellule où elle peut être prisonnière. Dépêche-toi. C'est vraiment pour ça. Il faut que tu suives la corde. Il faut que tu lui dises qu'elle pense au retour. Vraiment, elle pense au retour, et c'est pour ça qu'il faut qu'elle se dépêche, qu'elle aille. Dépêche-toi, il faut que tu penses, t'as le retour à faire, hein. T'as le retour à faire, il te reste la moitié du temps, là. Et puis regardez la clepsydre, elle a déjà fait. Allez, courage. La clepsydre dans ta moitié, Alex, vas-y. Allez, monte. Allez, voilà, allez, pousse. Et elle a pas pris la moitié. Viens avec la clé aussi, j'arrive pas. Monte les jambes. Allez, courage. Essaye encore une fois, calme-toi. Tu vas y arriver, il suffit que tu... Misérable, oui, pitoyable. Ils sont trop durs, comme ça. On va y arriver. C'était une épreuve d'homme. Ouais. Oh là, mais je sens comme de la rébellion. Attendez, qui... Ouais, c'était dur. Jean-Christophe, ne me lâche pas sur ce coup-là, voyons. Nous sommes en minorité, n'oublie pas, avec Passepartout, on n'est que trois. Bon, ici, on a donné la chance aux filles pour le moment. On a vu ce que ça a donné. On va tenter le garçon, maintenant. Ouais. D'accord. Comme ça, il va se ramasser lui aussi, comme ça, ce sera équitable. Voilà. Hein, bon, je ne vous le souhaite surtout pas. Jean-Christophe, on pense à la sauce. Je te présente la porte, voici. Attention, c'est parti. Ça, c'est une lourde responsabilité. Allez, Lydie, cette fois, ça va être toi. Est-ce que tu vois la clé? Est-ce qu'il voit la clé? Jean-Christophe, tout en haut, au plafond. Donc, pour accéder à cette clé, il doit monter sur le tonneau, puisque c'est le seul moyen qu'il ait pour récupérer la clé. Il faut que tu te serves du tonneau. T'as compris? Très bien, très bien. Super. Va pas trop vite, non? Tranquille. Avance-toi, direct, tout doucement. T'as le temps, va doucement. Pour l'instant, il a le temps. Tu vas y aller, tu sais ce que t'as à faire. Alors, il y a plein d'obstacles hein, qui vont faire attention, hein, dans tous les sens. Mais là, j'ai l'impression qu'il se débrouille bien. C'est bien, c'est bien. Bravo. C'est bien, vas-y. Donc, passe par-dessus la file. Passe par-dessus. Fais passer le tonneau en dessous. Oui, parce que s'il lâche effectivement le tonneau ou s'il n'a plus de point d'appui à terre, il va galérer pour le tonneau. Mais là, t'es un héros. C'est bien de ramener la première clé. Tu peux l'admirer, passe partout, montre-la, nous, cette clé. Parce qu'on l'attend, hein.
c'est soit vous n'y arrivez pas du tout, soit vous y arrivez en deux secondes. Mais en même temps, on a perdu beaucoup de temps, donc on va suivre Passepartout et on va se dépêcher et on va enchaîner sur la prochaine cellule. Allez, c'est parti. Réjouis de Passepartout et de Sarah. On a un héros et cinq et quatre filles complètement hystériques. Vous étiez hystériques. Ouais. Vous avez sauté dessus. C'était sympa. Alors ça fait quoi d'être dieu comme ça? Ça fait plaisir. Maintenant, c'est pour l'association. Hein. Ouais. Bien, première clé. Confirmation par Passepartout. On l'a dit, on est mal. Ben c'est parti. Voilà. Un petit temps de chauffe, long temps de chauffe. On va continuer maintenant avec celle-ci. J'ai besoin d'une candidate qui n'a pas peur des petites bébêtes et dont le prénom commence par un C. Claire. Oui, mais ça. Oui, mais moi je pensais plutôt à c'est toi, Lydie. Par exemple. Ouais. Là. Oh, Lydie. On n'a pas le choix, Lydie. C'est du plastique. Lydie, non, je te confirme, tu n'as pas le choix. Prête, Lydie. Lydie, allez, vas-y. Lydie. Moi, hein. Ouais, je suis là. C'est parti. Ça mord pas. Ça sert à rien. Je dois faire quoi pour une clé? C'est une un petit peu particulière. Puisque la clé. Organise-toi. Vas-y, mets dedans toutes. Essaye tout. Je mets les mains dans le fond. Dans le... Allez, allez, allez. Vas-y, la clé, on la voit pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, pas. Tu crains rien. Vas-y, vas-y, vas-y. Le premier, vas-y. Viens jusqu'au fond. Viens jusqu'au fond. Vas-y, vas-y. Vas-y. Passe à l'autre, Bambi, passe à l'autre. Ne panique pas, ne panique pas. Voilà. Respire doucement. Respire doucement et attendez, les filles, on va se calmer. Respire doucement, respire doucement. Inspire par le nez. Voilà, calme-toi. Mets la main, mets la main. Vas-y, vas-y. Elle en a plein, hein. Il faut qu'elle mette la main dans quasiment. Respire bien doucement. Vas-y, vas-y. Voilà, passe au suivant. Allez, passe au suivant. Vas-y. Pareil, respire doucement, profondément. Respire, respire. Allez, ma belle. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que je peux dire quelque chose quand même? Je voudrais que vous signaliez que vous n'avez qu'une seule clé, que ça c'est une épreuve qui est plutôt facile dans le sens, attention, dans le sens où on peut la récupérer cette clé, tout est dans la tête. Donc, qu'elle pense à l'association. Vas-y, Didi, pense à l'association, c'est très important qu'on ait cette clé. Je sais. Allez, go. Il faut bien qu'elle mette la main dans le bocal et qu'elle cherche la clé. Ça serait dommage qu'elle passe. Allez, va la chercher, va la chercher. Mais surveillez le temps. Moitié du temps, moitié du temps, Lydie. Allez, allez, vas-y. Dépêche-toi, ma poule. Elle va la trouver. Mets ta main bien en fond, hein. C'est ce que je fais. Super, super. Génial, Lydie. Vas-y, continue. Super. Donc, pas loin, elle va. Surveillez le temps. C'est courageuse, vas-y, c'est bien. Qu'elle se dépêche. Est-ce qu'elle a une notion des endroits où elle a mis sa main et surtout. Je passe par où maintenant? Diane, est-ce que tu sens quelque chose? Ouais, mais. La première peut-être, non? Tu as hésité la première. T'as pas mis la main dans celle où on voit les souris, tout ça? Ouais, surveillez le temps. Il faut qu'elle sorte maintenant, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Allez, faut qu'elle sorte. C'est tant mieux, ma belle. C'est tant mieux. C'est bien. Ah merde. C'était dur, hein. C'était difficile. Psychologiquement parlant, c'était super dur. Viens. Ah ouais, mais carrément. Qu'est-ce que t'as senti qui t'a fait super peur? Je t'ai vu à un moment, t'as fait. Ah, c'était quoi? Ben, c'était. Je sais pas, il y avait un truc qui était. Mais après, t'as passé un cap quand même. T'as passé un cap et c'est après, dommage que tu l'aies pas passé plus rapidement, ce cap-là. Parce que la clé, elle était forcément. Et regardez qui est là-haut, Olivier. Mon pas de clé, on n'en a qu'une seule, là. Oui, pour le moment, qu'une seule. Et peut-être que nous en récupérerons une avec Coralie, qui va partir maintenant voir le père Fouras, qui vient de déconcocter une petite énigme assez facile. Ne perds pas de temps, parce que ça risque de se compliquer après. Allez, j'espère je vous attends au carnet. Allez, bon courage, Coralie. Vas-y, Coco. On te suit Passepartout, on va aller voir si Coralie arrive à nous ramener enfin une deuxième clé. Allez, on y va. Allez, vite. Jean-Christophe, tu disais que Passepartout, il courait pas vite. Mais on perd le rythme, ouais, c'est vrai. Bon, alors voilà, ça patine, on reprend, on n'est pas d'espoir, ça repatine. Ouais, c'est fou ce qu'on peut patiner en fait dans cette émission. Bon, pas facile, hein. Non, je sais. On garde le moral, surtout, c'est très important. On va donc voir maintenant dans un instant ce que Coralie va faire avec le père Fouras, si jamais ça ne devait pas fonctionner. Claire, on va, nous, en revanche, bien vérifier si tu es une bonne grimpeuse de filet. Voilà, tu vas aller te préparer. C'est toi qui récupéreras la clé si jamais le père Fouras devait malheureusement la jeter de sa vigie. Regardons maintenant ce qui se présente à Coralie avec le père Fouras. Mais dites-moi, mais
Il faut vous soigner, ça. J'ai un excellent remède à base de migales. C'est une blessure. Ah oui, c'est joli. Ah oui. Bon. Allons directement à l'essentiel, c'est-à-dire la distraction. Une petite phrase musicale pour moi, rien que pour moi. Oui, allez, quoi, allez. Allez, 3, 4. Les femmes de ta vie, en moi réunies. Oh, ça me déconcentrait après. Super, ben oui, c'était un peu l'objet. Bon, alors, écoutez, allons-y, concentrez-vous. Il peut être une façade. On l'apprécie pour l'escalade. Au tennis, il permet l'entraînement. Et au football, il protège du coup franc. Je répète, il peut être une façade, on l'apprécie pour l'escalade. Au tennis, il permet l'entraînement. Et au football, il protège du coup franc. Allez, allez. Non, allez. On n'est plus dans le rythme là. Allez, allez. Non, allez. Proposez. Allez, Coralie. Vous jouez pour ça. Allez. Coralie. Mais enfin! Je suis désolée, j'ai pas trouvé. Ah, c'est moi qui le suis, vous chantiez si bien maintenant. Bon, ben c'était le mur. Mais oui, le mur de façade, un bâtiment, un mur d'escalade. Et puis le joueur de tennis s'entraîne contre un mur. Et le mur est une ligne de footballeur au moment du coup franc. Oh, non. Dites-moi, le filet, je vous le prépare saignant ou tendre? À point. Bon, ben descendez. Allez, hop, puis gardez l'appétit. Merci. Ah, le mur. Je ferais bien, moi aussi, le mur, mais c'est un peu haut. Échec de la part de Coralie avec le perforat. On va donc annoncer la nouvelle maintenant à Claire. Bon, Claire, tu as vu, la clé est tombée. Coralie n'a malheureusement pas réussi à trouver l'énigme du perforat. À toi maintenant de récupérer cette clé, de monter au filet. Sache seulement que le temps de la clepsydre que je vais maintenant renverser est très, très court. Okay. Ne tarde pas, tu es prête? Ouais. Allez, Claire. Allez, Claire. Alors, juste peut-être pour lui faciliter la tâche, tenez le filet au départ. Allez, doucement, super, mais vas-y, Claire, c'est super bien parti, un très beau rythme. T'as allez. Beaucoup de temps, donc continue comme ça. Voilà. Super, Claire. Allez, courage. Là, t'es vraiment, vraiment bien. La Claire, si tu t'approches. Bravo! Au-dessus de toi, regarde! C'est la super montée, excellente ça! Bravo! Si vous pouviez être comme ça maintenant sur le reste des cellules. Allez, Claire! Yes! Vous pouvez lâcher le filet et l'applaudir parce que là, c'est bon! Donne-moi du vous! Allez! Yes! La sauveuse, bravo, Claire! Bon, deux clés, les filles. T'es attachée, Claire. Je veux bien que tu partes. Mais allez, tu viens là, tu vas te déséquiper. Regarde, tu sais, nous, on va pas perdre de temps. C'est pas méchant, on va te laisser. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. Nous, on perd pas de temps, tu passes partout. Et Claire, tu en retrouves dans 5 minutes. Tiens, donne, c'est la donne à passe partout. Les filles, vous oubliez votre clé. Ah, on passe partout. La clé, bon. Tu la donnes à passe partout. Bien, bien joué de la part de Claire. Ça nous fait donc les deux clés. Cinq encore à récupérer. Il y en a une là, qui cache. Alors bon, j'aurais très bien pu, bien sûr, j'ai besoin de deux candidats pour tout vous dire. Demandez à Coralie et à Marjorie de le faire. Mais il faut laisser un peu se reposer. Je demande donc à Jean-Christophe et à Lydie d'y aller. Allez, préparez-vous, c'est parti. Allez. Alors. Ah oui. Hein. Ouais. Laquelle de vous avez une voix qui porte? Vous avez toutes les deux, les voix qui portent. Deux chanteuses. Vas-y. Ah voilà. Vous avez compris de toute façon. Rien à leur dire. Ils doivent. Super. Vous tournez la roue de façon mettre de l'eau dans la gouttière et faire sortir. Voilà la clé là. Bientôt. Ça y est. Non. Encore un peu. Encore. T'arrives au moment où il y a une troisième clé qui arrive. Ouais, allez. Elle est là, c'est bon. Elle peut la prendre. C'est bon. Vous lâchez la clé là. Yes. Génial. T'es trop sexy, ma belle. Oh, c'est trop chier, elle est jaune. Désolée. Elle est jaune, elle est.
clé, tu la donnes à Passepartout. On retrouve le moral là. Grave, ça mérite un petit cri de guerre parce que j'adore votre cri de guerre. Super bon. On y va. On y va. Allez, on se passe partout, bravo, je suis super contente. Allez, on continue. Ouais. Bon. Ça rafraîchit, hein. Et les idées et le corps. Ça serait tout explosé. Ouais, mais là, je sens que vous êtes tendu comme des arbalètes, c'est parfait. On va continuer sur cette lancée avec cette cellule. J'ai besoin de quelqu'un dont le. Alors, mon premier est motivé, mon deuxième est courageux, mon troisième est rapide. J'ai dit Marjorie. C'est parti, chef. On compte sur toi. La responsabilité n'est pas trop lourde. Chérie, on y va. Et. Allez, parti. On y croit. Bon, c'est une cellule où il faut être très très organisé. On prend toutes les clés, j'essaie. De ne pas parler tous en même temps. Qui se met à côté? Récupère un maximum de clés et ensuite tu vas les essayer. C'est bien, voilà. Bravo, Marceau. C'est un travail super méthodique. Il faut effectivement, c'est une très bonne tactique de récupérer toutes les clés et ensuite de toutes les essayer une par une. Mais surtout, quand elle n'a pas commencé à les essayer, il faut que d'un côté, elle mette celle qu'elle a déjà essayée pour pas qu'elle fasse de poids. Donc elle a trois petites serrures. Attention, t'as trois serrures, hein. Il faut que t'essayes les trois. Essaye les trois serrures. Tiens, dis-lui, Claire, dis-lui de bien mettre. Mais là, de côté, elle a déjà essayé. Ça fonctionne pas. J'ai l'impression qu'elle les jette un petit peu partout, les clés. Yes. Jette-les loin, celles qui ne marchent pas. C'est bon. Yes. Allez, une dernière. Quand ça marche, tu la jettes, hein. Allez, ça marche! Elle est tombée sur la tête. Marjorie, crois! Surveillez le temps. Qui est prêt? Mélange pas les clés, Marjorie! T'as le temps. Allez, yeah. 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 Et c'est la loi des séries, des bonnes séries là. Ça fait combien 4 clés? Il en reste 3 à récupérer, c'est jouable. Donc on perd pas une minute si on continue. Je suis contente. Très bien. Allez, on continue. Voilà, il n'y a qu'à se lancer. Mais oui, il faut le déclic. Passe partout, ça nous fait. Yes. Encore 3, dont une ici. Alors il y a une tradition forte, je vous l'explique, quand on est pour la première fois ici, eh bien il y a un petit bizutage. Voilà. Tranquille, un truc assez sympathique. Personne ne peut déroger à cette règle, on n'est pas chiant avec vous, mademoiselle. Bon, avec toi, Jean-Christophe, vous allez être un peu. Viens donc. Viens ici. À tout à l'heure. Viens ici. Pas peur de rien. Comme tout à l'heure, le même. Et le problème, c'est que tu es bien sûr embarqué dans cette, on peut dire, galère, mais tu vas être avec Coralie, voilà. Voilà. Souris sur le gars. Pour indiquer la cerise aujourd'hui. Allez. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Allez, courage! Allez! N'oubliez pas de communiquer tous les deux. Est-ce qu'ils la connaissent déjà, cette fille? Alors, s'ils ne la connaissent pas, vous pouvez. Bah oui, ils ont compris. Yeah! Génial! Allez, tape, Coralie, tape! Toutes tes forces, faut qu'ils tapent sur toutes les petites boîtes qui se trouvent au plafond. Voilà, allez, tape! Et la clé sort dans l'une d'elles. Allez, tape! Accrocher la glace. Tout va bien au niveau du temps, tout va bien. Ah oui, surtout elle tape bien, elle ouvre bien. Café. 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 Allez, c'est la dernière. Elle est là. Voilà. Ouais.
pas. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de douche. Oh. Bah, on va aller plonger dans la mer peut-être. Il y a juste un truc. Écoute, que si t'as envie. Rien. Alors déjà, je vais prendre ta clé, je vais la donner à Passepartout. T'es content, hein? Dans les yeux, ça fait hyper mal. Alors peut-être. Alors, un voyage. Les couleurs de l'Italie. Et alors, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant 5 clés, il en reste plus que 2. C'est génial. Hein? C'est réalisable? Ouais, on continue alors, Passepartout, on te suit. Alors, je sais pas comment on va faire. Tu marches à l'aveugle? Alors, je vois des mines réjouies. Ouais. Vous m'avez... Sarah est partie chez les tigres ou bien il y a un problème? Elle a deux qui sont plein de sirop, donc... Plein de sirop? Sirop, sucre, glace... C'est vrai? Je sais, ça fait partie des petites surprises du fort. Bon, c'est plutôt bon signe. Nous avons donc maintenant... 5 clés. 5 clés. Oh, c'est le retour des morts-vivants ici. Punaise. Je viens de comprendre, c'est bon que j'ai tout fait. Non, pas forcément. Il fallait en trouver une. Pas forcément, il faut la trouver, c'est tout. Bien, nous allons maintenant passer à l'épreuve qui se présente à vous. Pour celle-ci, vous connaissez Loïc ou pas? Loïc. Non. Loïc, c'est un ami à moi. Un type très sympa. Ouais. Je vous le présente un jour. Mais il n'est pas là, c'est sa spécialité, celle-ci. Alors comme il n'est pas là, bah, Lydie, tu vas t'y coller. Hein? Allez, courage. Voilà. Pense à Loïc. Courage, ma belle. Je sais pas, ça peut t'aider. Bon, tout de suite. Hein, c'est parti, allez. Sans problème. Bonne étoile. Yes. Vous la connaissez? Ah oui, c'est la clé, elle est où là? C'est le tourniquet. Donc elle doit dévisser la petite vitre en plexi parce que la clé se trouve dedans. Donc tu dévisses la vitre, super, en évitant. C'est génial, c'est génial. C'est pas la langue, elle a fait ça toute sa vie. Ça tient la vitre, c'est le tour. Elle est douée, hein, parce que pour prendre deux clés aussi rapidement, c'est vachement bien. C'est bien, Lydie. Elle continue comme ça, hein. Yeah. C'est incroyable parce que normalement il faut au moins un petit peu pour trouver ses marques et dévisser. Elle dit direct qu'elle est rentrée. Bah, une fois que tu as commencé à dévisser, il faut que ça aille vite. Comme des grands coups, comme des grands coups. Voilà, c'est bien. Les deux mains en même temps. Allez, les deux mains en même temps. Allez, si tu peux, les deux mains en même temps. Yes. Bien, bien. Tout va bien, t'es dans les temps. Ouais. Bien, déjà il y en a une, il y en a 6 en jeu au total. Jean-Christophe, tu as interdiction de me toucher. Allez, Lydie. Tout va bien, t'as la moitié du temps. Fais-les tourner comme tout à l'heure, comme tu faisais. Voilà, super. Elle est bien là. Putain, ils sont serrés, hein. Allez, courage. Allez. T'es sur la bonne voie, courage, Lydie. Il nous la faut, celle-là, hein. Allez, Lydie. Ouais, c'est incroyable quand même, c'est remarquable ce que vous faites, parce que à un moment donné, je me suis dit qu'on allait se retrouver avec clé et qu'on allait devoir faire 4 prisonniers, qu'on allait se retrouver avec un candidat. Allez, Lydie, c'est prêt. Il est prêt, ouais. Allez, on se fait. Elle est stable, elle est régulière, elle fait tout super. Ah, merde. Allez. Fais-les bien tourner, vas-y. Mais surveillez le temps parce que je vais pas te faire reculer. Elle est très proche du but. C'est bientôt. Vite, allez, Lydie, dépêche-toi. C'est très dommage, parce qu'elle est vraiment... Oui, elle va y arriver. Allez, vas-y, vite, Il est prêt, dépêche-toi, Lydie. Elle peut l'ouvrir, Ah bah alors maintenant vous allez coller. Génial. Combien ça fait? Ça fait 6, hein? Ça fait 6 clés? Il en reste plus qu'une. Une? Ouais. Bravo. Tu étais très bien, régulière, stable, t'as bien compris le truc. Tu connaissais la dernière porte, t'as vu pour partir. Bon, il reste plus beaucoup de temps, donc on va se dépêcher et on va enchaîner. Allez. Lydie, tes poumons vont arriver bientôt, hein. ils ont pris un aller simple. Bien, ça va, ça se solidifie peu à peu, hein. Vous verrez, à un moment donné, vous allez bouger de moins en moins. Mais bon. On a les paupières qui restent derrière. C'est le lifting boyard, voilà. Ça bon, pour celle-ci, tu parles de toi ou bien de... Ouais, de moi. Tu sens mauvais? Non.
C'est une affection, oui, je le confirme. Bien, pour cette cellule, j'ai besoin. Vous savez qu'on est sur, on est sur Boyard. J'ai toujours. Oui. Mais laisse-le, laisse-le. Non, donc, je disais, nous sommes à Boyard. Qui dit Boyard dit fort. Qui dit fort dit costaud. Qui dit costaud dit musclé. Qui dit musclé dit Jean-Christophe. Yes. On y va. Allez. Mon cher Jean-Christophe, je vais t'aider à les placer. Tu ramènes la septième clé, t'es plus un héros là. Ces gants devraient t'aider. Je ne te dis pas qu'ils te donneront davantage de puissance, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils te protégeront déjà. Ne parlons pas trop vite. Ah, voilà. Sont... Allez mon grand, c'est parti. Attention. Allez, on y croit. Escalibur, Escalibur. Tu la vois la clé? Sur le ah, truc. D'accord. À ta gauche. Récupérer cette épée qui est très très lourde, puisqu'elle fait, je crois, 25 kilos. Alors pour la retirer, il faut qu'il fasse ça, voilà, de voilà, gauche à droite. Voilà, c'est bien. Fais des mouvements de gauche à droite, c'est super. C'est comme ça que tu arriveras à l'enlever. C'est cool. Vas-y, ouais. C'est très difficile. Hein. Ouais. Elle est très très lourde. Ah, bouge la bien. Il peut, alors de temps en temps, il peut tenter un coup vers le haut. Essaye de la peser quand même un peu. Soulève de temps en temps pour voir. Ouais. Allez, on est avec toi. Voilà, de gauche. Ouais. Allez, j'ai ça. Oui! C'est bon, il l'a là. Ouais, on y croit! Allez. Maintenant vers le haut, maintenant que vers le haut. Vers le haut! Ouais! Yeah. Allez! Que vers le haut! Yeah! Voilà. Super! Alors maintenant, reste le plus dur, hein. C'est de couper la corde. Maintenant, okay. Il faut que tu retiens la clé. Allez, vas-y! Allez! Moitié du temps! Et là, il faut beaucoup de force dans les bras, mais tout à l'heure, il nous a poussé à plusieurs reprises. Allez, vas-y! Allez, ouais! Ouais! T'es sur la bonne voie là! Oui. Génial! Remettre le cordage. Mets le cordage, remets le cordage. Ah, tu te dépêches un peu là, dépêche-toi. Oui, la gueule, dépêche. Dépêche-toi, ça y est, allez. Pensez à l'association et je pense qu'ils vont être tous fiers de vous. Et on pense à Alex. Bravo. Qui vous avez la nuit pour la libérer cette nuit. On va maintenant aller déverrouiller la porte du trésor puisque vous avez cette clé. Et c'était le but. C'est super partout. Bravo, hein. Vous pouvez chanter. En courant. Non mais je rigole pas, hein, les filles. Je suis heureux de vous retrouver devant la porte de la salle du trésor en forme. Hein. Parce qu'au début, j'ai senti quand même une petite baisse de régime à un moment donné. Hein. Ouais. Ça s'est commencé un peu lentement, très lentement même. Les 7 clés sont à vous maintenant. Bravo, une prisonnière quand même. Passepartout va maintenant vous donner à chacun et chacune une de ces clés. Vous allez déverrouiller la porte qui est derrière moi et ensuite nous parlerons de ce qui vous attend pour la suite de la nuit. Allez, c'est parti, allez-y. Ouvrez. Non, en même temps. Oh, yaya. Bah, comme ça, c'est bon. C'est bon. Faut faire quoi? Faut juste la mettre juste dedans? Déverrouiller. Tu la tournes. Voilà. On est tranquille, hein. T'as vu? Tranquille. Oulala. C'est des gros chats, tu sais. Un gros match. Je les mate. C'est des gros. Bon. Vous avez faim, vous avez soif? Ouais, j'ai envie d'une douche. Ça tombe bien, sur le four, on a tout ça. En revanche, si vous êtes fatigué, il va falloir encore faire un petit effort. Et si on passe partout jusqu'à vos quartiers dans un instant, vous rappelez simplement que vous avez gagné du temps. Vous avez encore un peu de temps qui va donc s'ajouter au temps de demain pour les aventures. Super. Sachez donc que pour ces aventures, vous avez la possibilité de récupérer des indices qui vous permettront donc d'atteindre le trésor qui se cache derrière tout ça pour l'association que vous défendez. Cette nuit, Pascal Rail vous mènera jusqu'à moi. Je vous expliquerai ce qui vous attendra à ce moment-là. Quoi ? Eh bien, tout ce qui vous permettra de libérer votre prisonnière. Bonne chance à vous. Vous suivez Passepartout. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous prenez un maximum de force, hein ? Ouais. Ouais.
T'as pas peur quand même que ça finisse comme ça a commencé? C'est-à-dire? Mal. Je te disais que t'aimerais pas ça. Et en même temps, j'ai peur que tu leur portes la poisse, là. Oh non, arrête. Non. Non, ça, ça va finir bien. Pour tenter de libérer ses prisonniers, l'équipe doit entrer dans la salle du conseil. D'étranges défis les attendent, savamment préparés par les maîtres des ténèbres, dans le respect de la grande tradition du fort. L'empreinte du cristal qui ouvre la porte du conseil est enfermée dans un coffret, dont les candidats doivent retrouver la clé quelque part, dans le fort. Les prisonniers non libérés dans la nuit resteront dans leur geôle jusqu'à la fin de l'émission. C'est ça? Sérieux? Ouais. Je sais pas, regarde, il a commencé à s'éclache. Mais pourquoi on est tout seul maintenant? On est chez qui là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a quelqu'un? Faut pas toucher, faut toucher, on fait quoi? Bon, oh, allez, bien. Sérieux, non. Faut essayer, faut tout essayer. Qu'est-ce que c'est? Faut chercher des indices, c'est ça? C'est sûr? T'as bougé ça, t'as déjà essayé? Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi? Non, c'est une connerie. C'est quoi, je me dis? À Port-Royard, le confort aussi se gagne. Pour accéder à vos quartiers, tapez le code que vous trouverez, page 257. Celui-ci sera votre sésame. Ben, mais lire. Alors, tous les bouquins, page 257. Ouais. Il faut lire le bouquin en entier, là. Alors, attends, page 257. Ouais, page blanche avec un numéro, il n'y a pas de confusion qui pousse. C'est clair. Mais ouais, c'est clair. À mon avis, ça sera ça. Ça fait quelque chose, ça, tu crois? Ah, c'est compliqué, hein. On fait rien. Et mais ça y est. Ça fait monter, ça. Azedu, je l'ai. A-Z-E-D-U. Z-E-D-U. On est en train de gagner, il y a des t-shirts propres. Ah, il y a des prénoms. Allez, on va goûter ça. Ah, moi j'ai ça. Ah, ouais, on va traiter ça à face. Alors, on déconne. Alex, une petite pensée pour Alex. Par passe-muraille, si je vous ai demandé, c'est parce que, vous le savez, Alexandra a été faite prisonnière tout à l'heure, que le seul moyen pour elle de vous retrouver, c'est que vous alliez la libérer, et vous en connaissez le principe, pour cela, il faut récupérer donc le cristal qui se trouve juste derrière Jean-Christophe, dans ce coffret. Le problème, c'est que ce coffret est donc fermé à double tour, et que la clé se trouve quelque part ici. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester ici, pour le moment. Soyez attentive et attentif, regardez, scrutez, à un moment donné, un signe vous sera donné. D'accord? Et peut-être, je l'espère, une fois le cristal en main, nous nous retrouverons au conseil.
Bonne chance à vous et bonne nuit. Merci. C'est la clé pour la boîte. Voilà. Oui, il y a la clé. Regardez, il y a un signal qui va être. Regardez pas tout dans la même direction. Ben moi je regarde en bas là. Il a loupé. Moi par ici. Je pense que ça va être un problème. J'ai quelqu'un qui regarde là-bas au moins. Hein. On est où là? Attendez. Attends, mais regarde bien. Bah, la cloche, oui, elle est là. Oui, mais ça, il y a marqué quoi ici? C'est là-bas. Je veux dire, c'est en face. Bon, allez, on y va. On y va. Ah, ouais, d'accord. C'est peut-être en face à l'étage, non? Faut dépêcher. C'est quoi que t'as sur ta feuille? C'est le premier étage en haut? Vous êtes sûr? Je sais pas. Oui, c'est quoi qui a marqué sur le plan? Je crois que c'est là ou? Je sais pas. Il est où le plan? J'arrive. Vas-y, viens. C'est ça, Excalibur. C'est ça, il y a l'épée. Il y a l'épée, normalement. Normalement, il y a l'épée. Là, les filles. Ah, vous avez Ouais, moi, je me demande si c'est pas trop. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, ben oui, d'accord, carrément. Oh là là, c'est le cadre. Attends. Ah, si, c'est ça, regarde. Oui, c'est ça, c'est pour le vélo, il y a marqué. Et voilà, il faut contenir le cap pour le vélo. Attends, c'est même pas sûr qu'il ne faille pas le balancer en bas, le câble. Si, il y a marqué bas. Attends, il faut pouvoir. Si on la tire jusque là-bas avec nous, on pourra arriver à ouvrir le coffre. Oui, mais attends, elle n'est pas assez longue, à mon avis, il faut y aller direct. Mais non, elle va d'un trait sur le plan. Beaucoup plus près, c'est par ici. Je pense qu'on essaye, on y va, comme ça. Quelqu'un le prend, passe par. Alors attends. C'est le plus près par là. Attendez, j'ai le bout de la clé. Allez. Fais gaffe, c'est hyper lourd, Claire. Fais attention, Claire. Hein. Je le balance tout doucement. Laisse-le arriver plutôt. Attends. Elle n'arrivera jamais. Fais descendre encore, ouais. On va tout péter. C'est pas évident, hein. Mais non, regarde, c'est là qu'il faut l'attraper. Attrape-la. Super! Allez, c'est bon. Ça va ou pas? Ouais! Yes! Ah, je crois pas! Ça arrive, enlève! Attendez, tirez pas, je peux essayer! Bien, c'est un jeu de temps! Viens m'aider, j'en ai besoin! Tirez au maximum! Tiens! C'est peut-être dans l'autre sens. Vous croyez que c'est pour ça? Oui, c'est bon. Yes, hey. Allez, c'est délivré. Ça brille suffisamment, là. Il y a encore le conseil. Eh oui. Il y a encore le conseil. Faut rester confiant. Ah, super. Rejoins-moi. Allez, go. Bienvenue au conseil. Viens, approche-toi. Je vois ça. Viens près de moi. Là. Viens comme ça. Maître des ténèbres, procédez. Bien. Alexandra, et maintenant face à toi, ce n'est pas un duel mais un défi qui
été proposé au conseil pour essayer de libérer Alexandra. Comme tu peux le remarquer, le maître des ténèbres vient de placer face à Alexandra un coffret avec 4 molettes pour composer un code à 4 chiffres donc. Ces 4 chiffres sont dans la cage qui est face à toi. Tu vas devoir introduire le bras et tu vas devoir dégager des animaux qui sont dans cette cage de manière à faire apparaître à Alexandra le code de 4 chiffres. D'accord ? Tu te sens prête ? Bah ouais, pour sauver Alex, pas de problème. On croise les doigts. C'est pas les enfants. Coralie, joue ! Oh putain, 5 grandeurs. C'est pas grave, allez. Faut que je fasse quoi là, je pousse ? Tu l'es. Non, tu l'es saisi. Oh putain ! Ah, faut que je fasse quoi vraiment? Tu les saisis, tu les saisis et tu, en tâtonnant, tu verras, tu les passes de l'autre côté de la cage. Fais attention, ce temps est limité. Alexandra peut te guider, bien sûr. Ah, ah, je peux pas. Je me suis niqué le bras. Oui, fais attention à toi. Fais attention à toi. Au fond, tu fais comme ça, de ce côté-là. Si t'arrives à choper quelque chose, tu le jettes de ce côté. Au fond, vers moi, là. Avec oui, je sais. C'est quoi ah, mais... Concentre-toi. Alex, peut-être... Ouais. Encourage-la. C'est vrai, c'est n'importe quoi, le truc. Ah, je vois. Ah, tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Ça pue, ça... Elle est là, oh, la pauvre, elle n'arrive pas à passer. Elle est coincée. Attends, mais c'est énorme, ton truc, je peux pas. Oh là là, c'est comme ça. C'est plus vers le bas. Vers le bas. Comme ça, faut que je les pousse? Non, non, faut que tu les pousses comme ça. Tu les pousses sur le côté, sur ta gauche. Loin de toi. Je peux pas. Ça m'a l'air bien mal parti, malheureusement, Alex. Je peux pas, Alex, je te jure, il y a un truc là qui veut. Si, il y en a un sur le côté, là, j'avoue, elle est bien. C'est terminé. Malheureusement, le temps qui t'était donné s'est totalement écoulé. Coralie, tu t'es un peu blessée. Ouais. Heureusement, Passe-Muraille a deux fois te soigner. Tu vas maintenant quitter le conseil, s'il te plaît. Et tu m'envoies Lydie. Lydie, ouais. Rejoins-moi. Tu l'as pas eu? Je me suis touché le bras. Comment t'as fait? Bienvenue au conseil. Comme tu peux le remarquer, Alexandra est toujours prisonnière des maîtres des ténèbres. C'est un duel que nous te proposons maintenant face à l'un d'entre eux. En voici le principe. Comme tu peux le voir, il y a face à toi une série de bâtonnets. Tu as la possibilité d'en retirer de 1 à 3 à chaque fois que c'est ton tour de jouer. En sachant que celui d'entre vous deux qui restera avec un bâtonnet aura perdu. Il faut donc être stratégique. C'est toi qui commences. Maître des ténèbres, Lydie, jouez. Battre le maître des ténèbres. Lydie, je vais te demander de quitter le conseil. Et tu vas me chercher Marjorie. Marjorie, rejoins-moi. Marjorie. Allez, Marjorie, t'es là. Ouais. Merci. Comme tu peux le voir, Alexandra est toujours prisonnière. Viens, je t'en prie. Un défi pour toi, Marjorie. Le maître des ténèbres place devant Alexandra un coffret avec, comme tu peux le remarquer, une combinaison de 4 chiffres. D'accord. Pour retrouver cette combinaison, il va te falloir dévisser ces palets de bois en sachant que sur chacun des palets,
se trouvent deux chiffres. Il faut donc trouver deux palets différents pour avoir les quatre chiffres. À toi, Alexandra, après, de les recomposer dans le sens croissant. Es-tu prête? Ouais. Jouons. Tu as peu de temps, je le précise. Rien. Et le 5. Il en faut encore deux. Deux chiffres. Ah, c'est horrible. Allez. Pas rien. Non plus. Explore peut-être sur les côtés. Ah. Allez, mammouth. 85. Eh non, c'est le même. C'est le même, merde. Ah. Eh oui, il y a des pièges. Avec deux, avec des chiffres. Il peut y avoir des redites. Ouh. Ah, c'est trop tard. C'est oh, trop non. tard, c'est trop tard. Je suis désolé. Bon, Alex. Je trouve que je vais on va tenter encore une dernière fois. Une dernière fois de te sauver. Marjorie, merci, tu peux quitter le conseil. Et tu vas me chercher maintenant, Jean-Christophe. Jean-Christophe, rejoins-moi. Bienvenue au conseil. Je t'en prie. Te voici face au maître des ténèbres. Comme tu peux le remarquer, Alexandra est toujours prisonnière. La situation est critique. Tu es le dernier à pouvoir tenter de la sauver. Avec ce duel, dont voici le principe. Tu as devant toi, Jean-Christophe, des pièces. Le maître des ténèbres en a du même nombre. C'est toi qui commences. Tu peux en placer une ou davantage. C'est toi qui vois. La seule chose, c'est que le premier d'entre vous qui fait couler le verre a perdu. Bonne chance, messieurs, jouez. Vous avez été moyen sur ce coup-là. Non, ça, c'est pas dans les usages de la maison. Par contre, il va te remettre maintenant la clé que tu as gagnée pour pouvoir libérer Alexandra. Il est fâché, non? Non, c'est comme ça. Ils sont faits comme ça. Tu vas pouvoir maintenant libérer Alexandra de la cage. Voilà. Ah, c'est une femme heureuse que tu fais là. Merci. Vous pouvez quitter le conseil. Allez.
des ténèbres. Oh, yes. Merci, vous êtes toujours aussi aimable. Passe dessous. Ça s'appelle commencer une bonne nuit, non? Ouais. Le groupe est reconstitué. C'est très bien. Jamais. Est-ce que tu as désespéré à un moment donné ou pas? Non, mais c'est normal. À mon tour, là. Et tu le voyais, le verre? Quand même, ça fait deux, trois qui passent, je suis morte, je vais rester dans ma cage. C'est sûr. Alors, tu vas voir, c'est beaucoup plus agréable d'être dans les quartiers que d'être en prison pour la nuit. C'était le verre qui... Vous allez pouvoir discuter de toutes vos aventures pour le moment, qui sont à la moitié seulement de ce qui vous est proposé. Demain, ce sont d'autres aventures, vous le savez, reprenez des forces. Passe-Muraille va maintenant vous mener à vos quartiers. Reposez-vous, mangez un peu. Et puis, à demain matin, avec Sarah. Yes. À demain. Et voilà, une bonne chose de faite. Oui, comme le disait Platon, oh, j'ai trop crevé pour citer Platon, je vais dormir. Pour ouvrir le coffre qui contient le trésor de Port-Royard, l'équipe doit composer un mot-code sur l'alphabet géant situé dans la salle du trésor. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur permet de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour. Comment s'est passée cette nuit? Écoute, avec cinq femmes? Je les ai pas vues. D'accord. Elles sont allées dormir tout de suite. Passe-temps m'a dit rapidement, tu y as Passe-Muraille également, qu'elles ont été dormir immédiatement. Oui. Est-ce que tu t'es réveillée à 5h du matin pour faire un petit brushing? Non, j'ai pas l'impression. Non, moi non, non, passe-temps non plus. Mais non. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, mais non, comme ça, tu vas voir. Ah bon. Parfois tu m'inquiètes. Bah tiens, voilà. Elles sont là, nos candidates de choc. Ah, je comprends mieux ce que tu viens de me dire, oui, en effet. Bonjour, Passe-Partout. Bonjour à vous. Bonjour. Venez, venez, je vous en prie. Ben dites-moi, on a fait péter le brushing ce matin. Ah non, mais c'est un côté festival de Cannes, en fait. Bon, ça s'est bien passé cette nuit sur le port? Très bien. Oui. Vous avez vu comme on est au calme? En tout cas, je vous ai pas entendu. Vous n'avez pas tardé à dormir. Hein. Tout non plus. Bon, je ronfle un peu, paraît-il. C'est vrai. Jean-Christophe. Super. Impression? Pas trop fatigué? Non, ça va. On va repartir. Parfait. Eh bien, écoute, tu ne crois pas si bien dire. Tu vas déjà suivre Passe-Temps. Tu vas te préparer pour la première aventure. Voilà, on te rejoint dans un instant. Le temps de faire un petit brief avec le reste de ton équipe. D'abord pour vous dire que vous avez gagné 2 minutes 10 hier dans le cadre des épreuves. 2 minutes 10 qui sont donc reportées maintenant pour les aventures. C'est pas mal. Ça vous permettra d'avoir peut-être plus de temps pour avoir les indices. Vous avez besoin d'indices maintenant pour le mot-code qui vous permettra donc d'ouvrir la porte du trésor. 3000 euros, bonne nouvelle également pour vous. 3000 euros, c'est la somme que vous avez d'ores et déjà gagnée pour l'association. Oh, enfin, ça. Yes. Bravo. Le début des aventures. C'est pas vrai, non? Ouais. Non, allez. Mais alors, Passe-Partout, qu'est-ce que tu fais? Allons-y, allez. On va rejoindre Jean-Christophe. Jean-Christophe, tu m'entends? De ouais, là où tu es? T'entends, ouais. Bon, le fort, la mer, les mouettes, forcément donc, le ski. Hein, c'est logique. C'est logique. Je te propose donc, comme tu peux le voir, de marcher sur ces deux câbles tendus. Vous avez là, pratiquement à la fin du parcours, la cartouche avec un indice. À toi donc d'éviter de tomber, car à la première chute, eh bien, elle sera fatale. L'indice sera perdu. C'est vrai, en sachant également que le temps t'est compté. Sache que si jamais tu venais à tomber, tu peux essayer de te rétablir sur les deux câbles pour continuer ta progression. Jean-Christophe, t'as cinq filles avec toi qui vont t'aider. Hein. Allez. Enfin, quand je dis cinq, pas tout à fait, parce que Claire, tu vas aller te préparer pour l'aventure suivante. Suis Passe-Temps. On te retrouve dans quelques minutes. Bonne chance. Claire. C'est parti. Allez. Jean-Christophe, pense à ton bassin. Hein. Et oui, ça me paraît normal déjà, le bassin, très important. Pas de penche en arrière. Bien mettre les skis au milieu des deux fils. Au lieu qu'ils soient plus à l'avant qu'à l'arrière. Et le corps en avant. Tu peux te défier. Pense à ton équilibre au centre entre tes jambes. Stabilise-toi, vas-y.
Essaye de fléchir un peu pour avoir plus de... d'appui. Plus tu seras dans tes skis, plus tu seras stable. Le plus difficile, c'est de... ton bassin. Voilà. Essaye de placer ton bassin. Le plus dur, c'est de commencer pour bien que tu trouves ta stabilité. Une fois que tu l'as, après, tu avances tout doucement. Enfin, pas trop doucement non plus. Ce que tu peux faire aussi, c'est essayer d'écarter le plus possible ton ski en extrémité gauche et de faire glisser l'autre tout doucement pour avoir plus de pas franchi. Et regarde pas en bas. Facile à dire. Ouais, pas facile à faire. Et tu vas voir, quand tu vas arriver au-dessus de la passerelle, tout de suite, tu auras l'impression d'être plus en sécurité. Et tu y es presque. Regarde pas en bas. C'est pour ça que c'est très impressionnant, c'est vrai que... J'ai les jambes qui tremblent. Ouais, ouais, ouais. Bien en hauteur. C'est pas grave, essaye de te rassurer parce que là, tu vas bien, tu es attaché. Tu sais, t'essayes de... Voilà, de fléchir un petit peu tes jambes et de placer ton dos... Avec ton bassin le plus droit possible. Jean-Christophe, tu te sens pas de mettre les bras en avant, j'imagine, là. Tu sais, essaye de te dire... C'est la position de ski, de chousse. Que tout ce que tu as entre... Voilà, entre tes jambes. Exactement ça qu'il faut que tu aies. Ouais. Essaye, voilà, de garder ton équilibre au centre, entre tes jambes. C'est tout, tout. C'est très bien ce que tu fais. Putain, bravo. Bravo. Garde ton calme. Là, tu arrives vraiment au bout de la ligne, tu sais, la ligne qui t'aide, là, la ligne de cordage. Il va falloir que tu la lâches. Bravo. Tu sais très, très bien ce que tu fais. Continue comme ça. C'est comme si tu allais t'asseoir, en fait. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé ton équilibre? Pas terrible. Pas terrible. Pense à ton bus. Voilà, tu l'as lâché. Tu vois, il n'y a aucune différence. Et à la limite, je pense même que ça va t'aider. Tu vas utiliser... Tu sais, avec les bras, tu peux gérer ton équilibre plus facilement. Pense à asseoir un peu tes fesses. Voilà. Exactement. Ta position de ski. Je vais te dire un truc horrible. J'ai juste peur pour le temps. Je suis vraiment désolée de te dire ça. Mais regarde, je passe vraiment pour la fille. Il est tout près, là, désagréable. Il est tout près, t'inquiète pas. Là, t'es vraiment oui, nickel, là. Plus beaucoup. Ah ouais, là, t'as il te reste rien. Là, tu peux te dépêcher. T'es un héros. Franchement, il te reste un mètre. T'es un héros. Tu vas l'avoir. C'est notre héros, Jean-Christophe. Tiens, dépêche-toi, parce que j'ai pas envie que ça explose devant tes yeux, ça va nous énerver. Tiens bon. Allez, vas-y. T'y es. Et ça y est, ça va être un peu. Non. Et bravo, voilà. Jean-Christophe. C'était vraiment à deux doigts. Mais bravo. Ouais. Bravo. Vraiment bravo. Oh là là. Jean-Christophe, bravo. Ce que t'as fait, c'est extraordinaire. Bravo. Désolé. Tu vois, t'as pas eu l'indice, mais on s'en fiche. Tu commences à prendre de coups, mais... Ah ouais, là, oui, ouais. C'est vraiment bien ce que t'as fait. Dommage. Alors, lâche-toi doucement maintenant. Lâche-toi doucement dans le vide. Ouais. Là, ça va. Voilà, ça va. Hein, lâche-toi doucement. On va t'accueillir. Je pense que les filles vont venir te faire des gros bisous et des gros câlins. Jean-Christophe, j'ai senti... Mais on ne contrôle pas, c'est ça, j'essaie de calmer les jambes. Oui, on voyait que les jambes tremblaient. Ça bouge tout seul. Allez, des bisous, des câlins pour Jean-Christophe quand même. Je te jure, bravo. Allez, on y va. Tu nous rejoins, tu t'es équipes et encore bravo. Allez. Et dépêche-toi de nous retrouver parce que les filles vont avoir besoin de toi. Allez, on y va. On suit passe-partout, j'ai envie. Passe-partout. Bon alors. C'est dommage, à ça, vraiment à ça, il a raté le lundi, c'est dommage. Bon, cela dit, on est encore le matin, la nuit a été courte, il faut bien le dire aussi. Vous allez maintenant peut-être récupérer l'indice que voici. Enfin, vous, Claire surtout, vous voyez, elle est équipée. Claire, ça va? Ça va. Bon, parce qu'on ne peut pas dire que tu sois dans une position très confortable, tu es à plusieurs mètres sous les tigres. Hein? Un accueil charmant si tu venais à trouver. Ah ben voilà, Jean-Christophe maintenant nous a rejoint. Bon, Jean-Christophe, on oublie l'épisode des skis. On va maintenant voir l'épisode de la cloche. Hein? Et dans le rôle de la cloche, Claire. Bon. Mais c'est pour rigoler. Oui, bon. Bon, Claire, mon petit, vous avez donc cet indice qui est face à vous. Pour pouvoir y arriver, c'est pas toute seule que vous allez le faire, c'est avec tout le monde. Hein? Collectif, cette aventure, cette corde. Un peu à l'instar de ceux qui tirent les cloches, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Vous allez devoir donc imprimer un mouvement de balancier à Claire qui, au fur et à mesure donc, va se retrouver le plus proche possible de la cartouche pour la saisir. Claire, n'essayez pas toutes les positions, la seule qui vaille la peine ici, c'est la position verticale, d'accord? Ouais. Bon, je vous retrouve dans un instant en espérant que vous ayez cette cartouche en votre possession. C'est parti. Allez, oui. On y va. Allez. Attendez, tout le monde a les mains dessus. C'est très lourd. Laisse monter, relâchez-la carrément. La cloche est très lourde. Voilà. Lâchez-la.
Mais oui, on lâche. On lâche. Vous lâchez la corde, vous lâchez la corde, vous la laissez remonter. Mais là, vous tirez bien, hein. Elle est déjà bien, bien proche. On va pas tout casser. Oh là là, vous êtes bien. Allez, elle y arrive, elle y arrive. Doucement, doucement. Non, c'est bien que tu allez. Ça va, Claire? Ça va. Ça se passe bien? Il faut plus haut. Là, il faut tirer. Mais je te jure, Christophe et Thiers ont raison quand elles te disent de lâcher. Il faut tirer et après vous lâchez. Ouh là là. Attendez, arrêtez de tirer deux secondes. Claire, il faudrait que tu essayes de tendre la main pour savoir à quelle distance tu es d'un 10. Ça va, c'est dur, mais ça va. Il faut tirer à tirer. Il faut tirer encore. Mamie, y'a. Allez, allez. Il faut tous ensemble, tous ensemble. Allez. Allez, cette fois-ci, on y va. Hein. Allez. Lâchez-les tout, lâchez tout. Bravo Claire. Tu nous as ramené le premier indice. Parfait. T'avais l'air assez tranquille sur ton trapèze là-haut. Hein. Avec une apparence. Comme d'habitude. Même pas impressionnée. Si, à bloc. Ouais. Comment j'ai vu tes pieds voler. Tu t'es carrément envolé. Bon, parce c'est que bien. Là-haut, tu viens. Hein, vous êtes contente? Jean-Christophe, ouais, c'est bien. Premier indice. On va continuer. Passe partout, on enchaîne. Bravo encore, déséquipe-toi et tu nous retrouves à la prochaine aventure. Bravo. J'ai pas entendu de cri de guerre ce matin. C'est plus d'actualité. On y va. Bébé. Ah, la patate est revenue là. C'est bien, hein. Alors, ça fait quoi d'avoir un indice? Ça fait du bien. Vous l'avez remis à passe-partout ou pas? Ah, ben non, Claire n'est pas encore avec nous. C'est Claire qui le remettra dans un instant. Bon, bravo. Premier indice. Bon, Sarah, d'expérience, on peut le dire, un indice, c'est pas suffisant. Non. Hein, c'est très rare qu'avec un indice. Mais c'est encourageant de commencer avec un premier indice. C'est ça. Bien, nous allons passer maintenant à l'aventure suivante. Auparavant, Lydie, tu vas suivre Passe-Temps, s'il te plaît, pour partir en vigie. Le père Foura t'attend avec une petite énigme comme celui seul est capable d'en proposer. Et bien sûr, à la clé, ce sera donc un indice de plus. L'indice est ici, dans ce coffret. Mais pour ouvrir ce coffret, il faut un code. Le code est où? Là. Et là-dedans. Bien sûr. Je sais pas, oui, j'ai envie de toucher, de taper. En plus, ça les énerve un peu, parce que là-dedans, il y a des choses qui vivent. On aurait pu mettre des tigres, mais c'est trop dangereux. Donc, on a préféré des choses plus petites. Carrément plus petites. Carrément plus petites, voilà. Et, ma foi, je pense que Coralie est la meilleure en fait, pour pouvoir y aller. Coralie, mon petit. J'ai le dent, moi. Hein. Bah, aujourd'hui, t'as pas encore fait grand chose aujourd'hui. Non, mais déjà hier, je sais qu'il y a dedans, j'en suis sûre. Non, t'as pas peur de ça. T'as pas peur, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Allez. Moi, j'ai pas peur du tout là. Non, tu vas récupérer un code. Je suis en train de faire bibi avec elle. En deux parties. Ah oui, c'est vrai. Tu vas devoir récupérer ça. Coralie, bon, c'est tout en plastique. Deux morceaux de papier, Coralie. Perdons pas de temps. Coralie, ouais, t'entends bien ou pas? Allez, Coralie. Deux papiers, attention parce qu'il y a des leurres. Vas-y. C'est tout en plastique, hein. Et respire fort, doucement. Allez, courage. Tu nous entends? Tout est qui veut aller à côté de la porte pour la soutenir et l'encourager parce que c'est vraiment tout va bien pour ça se passe vraiment dans la tête et dans l'intention qu'elle va y mettre. Rentre par la petite porte. Vas-y, rentre. Tu vois, sur le filet, il y a des araignées. Nous, on les voit, il n'y en a pas. Il n'y a pas de papier sur les araignées qui sont sur le filet. Ça va, je crois. Marjorie, fais attention parce qu'il y a quand même des. Vous les voyez ou pas? Oui, là, il y en a. Il y a une araignée là, à ta gauche. Ma gauche. À ta droite, ouais. Alors. Là? Oui, mais décale-toi. Là? Non, vers. Là? Sur le filet, vas-y. Voilà. Celle-là. Retourne-la doucement. Elle est en plastique. Elle est en plastique. C'est rien, c'est du plastique, n'aie pas peur. Voilà, super. Très bien. Ouais, vas-y, voilà.
J'arrive pas là. Vas-y, vas-y. Voilà, le plus dur, c'est la première. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Toto. Allez, super. Il faut qu'elle attrape, la... qu'elle attrape le petit papier. Attrape le petit papier dès que tu veux lui faire mal. Elle peut non, non, mais tu lui fais pas mal. Tu lui feras pas mal, t'inquiète pas. Vas-y, tire-la, tire-la. Allez, vas-y, prends le papier. Allez, vas-y, le temps tourne là. Hein. Allez, ouais, Toto. C'est pas facile de les prendre, je vous jure. Je sais que c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Alexandra, elle est phobique. Non, je sais pas. Non, ça y est. Oui, super, super, Toto. Oh, y'a rien. Y'a rien. Allez, continue, continue. Mais attends, l'araignée que t'as fait tomber au début, elle avait un papier. La première araignée qu'elle a fait tomber, absolument. La première araignée, Coco. Ou alors elle peut ouvrir. Coralie, la première araignée que t'as fait tomber, elle avait un papier. Là, elle a un papier, là. Yes. La première araignée, Coralie, qui est tombée. Laquelle? La première tombée. Claire qui vient de revenir. Je voulais dire un grand... Là, il y en a une. Coralie, il y a un papier, là. Tu peux le donner à passer. Celle-là, à droite. Devant toi, en bas. Le temps passe. Voilà. Celle-là. Je sais pas si c'est son corps. Vas-y, vas-y, vas-y. Dépêche-toi, Coralie, s'il te plaît. Il faut vraiment qu'elle se dépêche. Allez, dépêche-toi. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'elle a réussi à prendre les araignées. Donc, elle a fait le super. Oui, 95, c'est la fin. C'est le numéro de la fin. C'est la fin. Allez, continue, Coco. On pose le code sur le coffre. Et pour le petit coffre, Coralie. Ouvre le petit coffre. Je crois que le deuxième morceau de code doit être. Allez, vas-y. Il doit être sous le scorpion, Coralie. Par la queue, c'est pour le prendre. Par la queue. Par la queue, Coralie. Allez, Coco. Allez, Coco. Non, il n'y en a pas. Continue. Allez, continue, Coco. On a besoin. Elle est phobique. Non, mais elle a peur des araignées. Wow. Ouais, viens. Regarde comme tu trouves. Yes, ma fille. Est-ce que tu es contente de l'avoir fait? Parce que même si t'as pas eu l'indice... J'ai pas vraiment peur de ces bêtes-là, donc c'est. Mais c'est impressionnant. J'ai peur qu'elles me piquent, quoi, c'est tout. Ça, de toute façon, ça pouvait pas arriver, mais c'est vrai que c'est impressionnant entre ne pas avoir peur et devoir les manipuler. En tout cas, tu as réussi à les toucher, aussi bien les scorpions et les araignées, je peux te dire qu'on était tous bluffés. C'est juste dommage que t'aies pas eu l'indice, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Parce que Jean-Christophe, ce que t'as fait, c'était super ce matin. Ça, c'est formidable et bravo. Bravo à vous tous. Allez, on continue, on va aller voir ce que. Lydie fait avec le père Croix. Petite Lydie, avez-vous remarqué durant cette nuit le magnétisme qu'il y a sur le fort? Non? C'est un endroit très très habité, non? Déjà par moi. Ah, mais on sent des... Vous avez bien dormi? Très. Bon, mais il va falloir se réveiller maintenant. Parce que si j'ai bonne mémoire, il y a eu deux tentatives soldées par deux échecs. Lourde responsabilité. Concentrez-vous. Voici... La première définition. Mon indice peut être dur comme du marbre. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Peut-être dur comme du marbre. Bien, deuxième définition à compléter avec la première. Mon indice peut être malléable comme de l'argile. Allez, associez les deux. Dur comme du marbre, malléable comme de l'argile. Malléable comme de l'argile, dur. Troisième définition et dernière tentative, le gel peut faire éclater mon indice. Le gel? Oui, allez, recoupez les trois. Du verre? Du verre, du... Bon, écoutez, ma petite Lydie, je pense que vous allez procéder comme ça. Vous allez descendre, garder toutes ces définitions en tête et continuer à réfléchir. D'accord. Rien n'est perdu. Ça va. Allez. Oh, gardez le moral, surtout vous êtes ravis. D'accord, merci. Allez, descendez. Elle est restée sans voix, je crains qu'elle ne déchante. Lydie, alors,
Salut. Est-ce que tu l'as eu? Dis-nous que tu l'as eu. Non, j'ai une mission, mais n'empêche que ça va. On a trois. Je pense que je peux leur dire pour. Ouais, mais on va voir ça après parce que comme le temps passe, ça serait dommage qu'on ne fasse pas toutes les aventures. D'autant que j'ai Alexandra qui attend patiemment de se jeter à corps perdu dans l'aventure, elle aussi. Si elle va se jeter, moi je vous propose qu'on aille regarder Alexandra. Hein? Oui. Très bien. Très bien. Allez-y. Pendant ce temps-là, bonne chance. Je vais essayer de rassurer tant que faire se peut. Allez, allez. On y va. Ah, c'est bien. Il parle bien Fry. Bon alors, non. Alex, tu as compris, je suppose, le principe du jeu. Ah non. Il y a des mauvaises langues en Charente qui disent que c'est une épreuve qui est un peu rude. Ne les écoute pas. Le mieux, c'est de foncer, tout simplement. Hein? Ouais. Et comme le dit si bien Antoine qui est auprès de toi et qui va te sécuriser, tout est dans la tête. Bonne chance. Allez, lundi, c'est face à toi. Je te retrouve en bas. Oh, vite, vite. Lydie, tu nous dis les définitions peut-être que vous allez trouver. Alors mon premier est peut-être dur comme du marbre. Mon second est malléable comme l'argile. Mon troisième, le gel peut faire éclater mon troisième. En tout cas, t'as une bonne mémoire. Bon, vous réfléchissez avec ça. On regarde Alexandra, on l'encourage. Alex, j'y arriverai pas. Si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Le seul truc, c'est que tu sais, le temps passe beaucoup et passe très vite. Et malheureusement, tu vas pas pouvoir prendre une demi-heure pour pas sauter même pas la marche. Comment? Tu peux pas. Mais si, tu vas y arriver. Regarde-toi en bas. Regarde-le. Respire profondément. Alex, quoi qu'il arrive, tu crains rien. Alex? T'es déjà là, c'est beaucoup, Alex. Hein. Ouais, mais j'irai pas plus loin. C'est beaucoup déjà d'être là. C'est beaucoup d'être là, là où tu es. Ah putain, ça fait beaucoup ça maman. Il faut aussi que tu penses à lundi ça hein, pendant que tu sautes. Oh. Bah. Oh. Tu peux Alex. Mais tu vas y arriver. Oh putain. Et surtout tu vas être tellement contente de l'avoir fait après. Tu vas en parler pendant 3 semaines et tu vas frimer. Mais je peux pas. C'est qu'un mauvais moment à passer Alex. Non, je vous jure, franchement, je peux pas. Et si tu peux le faire. Oh. C'est la même chose que de passer 3 heures dans une cage. Oui, bien sûr, ouais. Fermez-moi 6 heures si vous voulez, mais là, je crois que je rigole. Allez. T'es une rebelle, là-haut. Comme tu es. Non, mais j'irai pas plus loin. Mais si, t'es une aventurière. Je peux pas. Ouais, c'est ça, ouais. Trop belle, là-haut. Rappelle-toi. La terre, la mer, mais pas l'air. Torno. Torno. Je vous rappelle que vous avez qu'un seul indice, hein. Un seul indice, avec un seul indice, vous irez pas loin. Le truc, c'est fini. Bah, dites-moi, là, je me jette pas pour rien, hein. Je veux pas. J'arrive pas. D'un côté, vas-y, et l'autre côté, laisse tomber, hein. Franchement, j'ai tout essayé, je peux pas. Je vous jure, c'est... On va pas crever, t'inquiète pas, là. Là... T'inquiète pas, là. J'aurais jamais réussi à aller jusque-là. Bon, on a perdu. C'est dommage, Alexandra. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Non, y a rien, rien n'est grave, mais vous avez qu'un seul indice. Et avec un seul indice, on n'a plus le temps pour une autre aventure. Voilà. C'est pas grave, Alex. Franchement, bravo. Tout va bien. Tout va bien. Allez, tu viens nous rejoindre, Alexandra. On va aller à la salle du trésor. On va tenter de déverrouiller cette porte. Il vous reste très peu de temps maintenant pour ouvrir les indices et pour essayer de trouver le mot. Allez, vite! Vite, vite! Peu de temps. Il nous reste peu de temps pour essayer d'avoir ce fichu mot code qui va ouvrir la porte. Alors, quels sont les indices, Sarah? On n'en a qu'un seul. Ah, qu'un seul en plus. Ah oui, ouais. Donc la situation est critique. Lydie a peut-être une idée parce qu'elle a fait part des définitions du perfora. Claire, viens ici. Ouvre immédiatement la cartouche pour délivrer le premier indice. Et l'autre indice dont vous présentez, c'est quoi? Avec ce qu'on a dit, on est sur le plomb et le verre.
plomb ou vert. Ouais. On va voir éventuellement ce que ça va donner avec celui-ci. On attend. Sarah, s'il vous plaît, ici. Alors, premier mot. Je t'en prie, Claire. C'est bac. Bac. Je crois que sans hésitation, ouais, faut y aller vite. Piste, hein. Ouais, voilà, c'est ça. très juste, bac, pour trouver un mot. Que quelqu'un se dévoue et aille se présenter devant la tête du tigre. Allez, vite, vite, vite. Les filles, on perd du temps, là. Alex, allez, Lily, c'est bon. Alex qui nous revient des hauteurs du fort. T'as eu très peur. Oui, on a vu que... Il faut se dépêcher maintenant, il faut vraiment accélérer le pas. Les tigres commencent à s'énerver, ce qui est mauvais signe. Allez, vas-y Jean-Christophe. Voilà, tu vas aller goûter tout ça. Bac. Bac, c'est le premier mot, le Back. Deuxième mot. Bon. 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 Bac et bon. Vas-y. Bac et bon, bon avec votre... Bon. Qu'est-ce que tu dis? Croissant. Croissant. Poisson. 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 Je ne connais pas les trucs. Ah, bac, poisson. Aquarium. Vert. Vert. Non, aquarium vert, c'est en vert. Le gong vient de sonner. Les secondes commencent à se rendre, ça veut dire rare. Vas-y, vas-y. Non, justement. C'est pas pareil. Vas-y, Alex. Vas-y, dégoupille. Vite, 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 vite. La porte s'ouvre, hein. Dune. Dune. Sable. Bac à sable. Bac à sable. Non, c'est ça, sable. Bac à sable, vent de sable. C'est sable. S-A-B-L-E. S-A-B-L-E. Allez. Le L, il est où? Le L. Elle, c'est bon. Regardez maintenant droit devant vous. Félindra, tête de tigre. Allez-y, présentez-vous à la pesée. Là, Claire, on va devant. Allez-y, bon. Allez en face de moi, c'est pas mal. Jusqu'au bout, on aura eu des émotions. Hein. Tiens, Claire, tu te mets en face, Lydie aussi, tout le monde en face. Bon, c'est pas mal. Bon alors, revenons d'abord rapidement sur ces mots. Moi, j'avais en ma possession la cartouche et avec toutes les solutions, c'est comme ça, quand on a le bras long. Il y avait donc... Revenons là-dessus. Bac, en effet, pour le bac à sable, où joue l'enfant dans un square. Banc pour le banc de sable. Et la dune, bien sûr, la dune formée de sable. Voilà, bien. Impression, là, maintenant, avant qu'on ne pèse le butin. Oui. C'est très, très difficile, parce que ben, on pense qu'à ce que la barrière, elle s'ouvre, quoi. Ben, des fois, je sais pas, c'est dur de réfléchir, comme ça. Oui. Puis il faut être efficace, on a la pression parce qu'il faut être efficace, quoi. Et comme on n'a pas envie de perdre, ben, on les barreaux nous emprisonnent et on ne peut pas vraiment faire les mouvements qu'on souhaiterait faire.
Donc on se fait vite et puis... Enfin, on espère pour l'association. On va voir. De toute façon, il y avait déjà 3000 euros. Hein. Ça, c'est le minimum garanti. Peut-être davantage, voyons cela. Passe-partout, passe-temps, œuvrez. Regardez. 1950 euros. Bien plus que les 3000. Vous en êtes vraiment bien tiré quand même. Hein. Il y a des heureuses et il y a un heureux. Super. Bon, on est content pour l'association et pour tous les enfants qui vont. On est très heureux pour vous tous. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci pour la réunion. De vous être battu comme ça tout au long de ces longues heures, je sais, et de cette nuit aussi. À bientôt, Sarah. À bientôt. Alors, passe-partout, on passe temps. Alexandra, j'avais quand même envie d'avoir un petit mot, une petite impression. On avait vraiment envie que tu sautes. On était tout cœur avec toi. Mais moi aussi. Et t'as fait le plus dur. C'est-à-dire que tu t'es équipée, tu t'es préparée, et là, psychologiquement, ça bloquait. Ça a été super impossible pour moi. C'est impossible de faire ça pour moi. Et quand Claire m'a dit pour les enfants, oui, j'ai essayé de sauter deux fois. Ouais. Et rien que le fait d'essayer de sauter, ça m'a mis ça m'a complètement bloqué. Alors là, à partir de ce moment-là, c'est... Aucun regret, parce que vous avez quand même ramené une très belle somme, qui n'est pas négligeable du tout. Vous avez également eu beaucoup de chance d'avoir un homme, et comme quoi c'est toujours utile d'avoir un homme dans les parages. Ça a été un petit peu le sauveur hier. Hein. Heureusement. Elle nous a ramené les clés. On formait une équipe. Moi, ça a été un peu dur pour moi de m'intégrer dans cette équipe, parce que j'étais déjà formée, mais je crois qu'on a... Je ne chanterai pas avec vous. On rappelle quand même que l'association s'appelle Les Enfants de Cœur, que c'est une association donc au profit de toutes les autres associations pour l'enfance. Exactement. Et vous avez fait votre maximum, vous vous êtes dépassé. Merci infiniment à vous six d'être venus participer à Fort Boyard. J'espère à très bientôt, j'espère à bientôt aussi chez vous, j'espère vous retrouver très vite. Bonne fin de soirée sur France 2. Au revoir à tout le monde, aux enfants, aux parents et aux grands-parents. Au revoir. Au revoir. Allez, on prend l'argent quand même. Bah, on prend les voyards et puis... Allez, c'est lourd. Très lourd. Des candidats, des épreuves, des surprises, un épisode de Fort Boyard. On sait toujours comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort.